Bah, nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'histoire vivante. Hein, la reconstitution historique, c'est de l'histoire vivante, c'est-à-dire que les gens, au lieu d'ouvrir un bouquin, déjà tout le monde n'a pas forcément accès à ce type d'ouvrage, et que là, les gens voient des choses concrètes, illustrées en live, en quelque sorte, et donc ils peuvent poser leurs questions, ils peuvent toucher, ils peuvent manipuler. Et moi, je pars du principe, je suis enseignant à côté de métier, et c'est toujours plus facile quand on a l'objet, quand c'est concret. On peut raconter à un élève qu'une côte de maille c'est super lourd, mais tant qu'il n'a pas la côte de maille sur les épaules, il ne se rendra pas compte que c'est lourd. Donc je trouve que c'est un appui pédagogique, c'est des vrais moments de pédagogie et d'échange. Et si les gens, certaines personnes sont là pour voir des spectacles, il y en a d'autres qui sont là pour apprendre des choses, pour voir des vieux métiers et poser des questions. Et nous, on est là pour ça, vu que c'est notre passion, ça ne nous dérange absolument pas. Donc c'est de chouettes moments de partage. C'est-à-dire que nous, on fait un campement qui est animé en permanence avec de la démonstration d'artisanat, beaucoup d'explications, d'initiations. Mais on a des temps forts d'animation. Donc de temps en temps, on participe à des scénettes et aussi on fait des spectacles de combat, voilà, des démonstrations de combat. Parce que les gens sont très contents d'avoir de la pédagogie, tout ça, mais on ne va pas leur faire une conférence qui dure 8 heures. Donc, de temps en temps, ils ont besoin que ça bouge un peu. Donc c'est pour ça qu'on fait des démonstrations de combat qui ont toujours un franc succès. Le cadre est vraiment superbe. Nous, on est sur de la reconstitution autour de l'an 1000, donc à peu de choses près, c'est contemporain de la fondation de l'abbaye. Avoir une abbaye du XIe siècle dans cet état de conservation et vraiment dans un écrin de verdure avec le petit étang en bas, on est vraiment dans un cadre qui est magnifique. C'est la première chose qui fait qu'on est content de venir. On est super bien accueillis à Cerisy par toute l'équipe des bénévoles. Ils font vraiment un travail remarquable, ils sont investis, peu importe leur âge. Et puis des fois, il y en a qui sont beaucoup plus âgés que nous et qui sont... au taquet, j'ai l'impression que c'est un peu l'événement de l'année, c'est la fête qui est attendue. On l'a bien vu hein, pendant le Covid que c'était un peu plus morose. Et avec les retrouvailles l'année dernière, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Donc oui, les gens en parlent de plus en plus, les gens attendent ce moment, les commerçants s'y préparent, les habitants aussi. Hier, il y a eu une grande scénette dans laquelle les habitants étaient mobilisés et ont répété pendant plusieurs semaines. Donc je trouve que c'est sympa parce que c'est quelque chose d'assez fédérateur. Et dans une petite commune comme Cerisy-la-Forêt, bah, ça ne peut pas y avoir tant d'événements comme ça qui sont aussi fédérateurs, je pense. Là, ce week-end, on est, je crois, 13 ou 14 dans mon association. Mais là, tout autour de l'abbaye, il y a facilement une soixantaine de vikings, de reconstituteurs de la période viking pour animer le site. Je remercie Michel Goupil, qui est le président du comité Saint-Vigor, qui nous fait confiance depuis la première année. Nous, on s'est rencontrés, il avait l'intention de modifier un peu une fête patronale en fête médiévale. Et je lui ai proposé de le rencontrer. Et quand j'ai vu le site magnifique, on s'est tout de suite projeté. Et tout le monde est hyper content de venir. Même si les budgets sont un peu limités, c'est pas facile dans une petite commune. Tout le monde fait un effort parce que tout le monde est heureux de venir là chaque année pour animer le site et rencontrer le public. À bientôt sur tevie.tv.